Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sapore e Bellezze del Mondo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des biscuits traditionnels marocains au sésame. Nous le préparons au mois du Ramadan. Ces biscuits sont trempés dans du miel. Allez, on va voir ensemble les ingrédients et la méthode du travail, mais après la musique d'une trompe. Pour préparer ces biscuits, nous avons besoin des 200 g du sésame et nous avons besoin des 250 g de farine blanche, 3 cuillères à soupe du beurre fondu et 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de cannelle, 4 g de levure chimique et un peu de sel, un jaune d'un œuf. De l'eau quand c'est fusant. Il faut utiliser l'eau doucement car la pâte devra être un peu dure. 2 cuillères à soupe de vinaigre blanche. Donc ça va être très rapide à préparer. On verse nous 200 g du grain de sésame auquel on ajoute 250 g de farine. On va mettre la cannelle, la pincée du sel et la levure chimique. Toujours, on va commencer par les ingrédients secs. Et on mélange bien. Et après, on va venir rajouter les ingrédients liquides. Donc, on va venir ramasser notre pâte avec de l'eau pas tiède, juste à température ambiante. Il faut ajouter de l'eau petit à petit, car la pâte doit être un peu dure. Ça ressemble un peu à la pâte du chebbekia. On ajoute du l'eau jusqu'à obtenir une pâte assez souple mais pas collante. Et voilà, ma pâte est déjà prête. J'ai couvert la pâte avec du film alimentaire et la laissé reposer au frigo pour 15 minutes. Après 15 minutes, on va commencer à étaler notre pâte avec un rouleau à pâtisserie et on va mettre aussi un peu de farine blanche pour travailler et on va continuer comme ça jusqu'à vous obtenir la bonne épaisseur que vous voulez.
Et voilà l'épaisseur désirée. Maintenant, je vais la couper en petits carrés avec semoule à biscuits. Vous pouvez aussi utiliser la roulette pour les pâtes ou la roulette pour couper la pizza. Pour faire ces biscuits, on prend les deux coins, comme vous avez vu, et vous rabattez et vous pincez comme ça. Vous pincez bien, comme ça s'ouvrira pas à la cuisson. Et voilà, c'est très facile et très rapide et pas compliqué à faire. On va faire la même chose avec tout le reste des pâtes. C'est nécessaire de laisser reposer toutes les quantités qu'on a préparées au moins 1 heure. Il faut chauffer l'huile dans la poêle. Bien sûr, ne doit pas être trop chaude pour que les biscuits ne se brûlent. Il faut mélanger de temps en temps, comme ça les biscuits prennent une couleur égale. Il faut obtenir ce couleur dorée comme vous avez vu et immédiatement on va les tremper dans le miel. Comme ça, se prend une heure quantité du miel. Je vais compléter de frire tous mes biscuits. À la fin, on va lever l'excès du miel. Comme ça reste seulement la quantité juste. Si vous voulez la recette du miel fait maison, je vais laisser le lien dans la description. Ben à la fin, je l'ai décoré avec les noisettes concassées. Bien sûr, vous pouvez utiliser n'importe quel fruit sec. Voilà la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous appelez et que vous allez la essayer. Et n'oubliez pas de vous abonner et faire un like et m'écrire dans les commentaires si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette et au revoir.